Au cours du XIIIe siècle, le peuple de Scandinavie avait des difficultés à cultiver assez de nourriture. Ce fut l'origine des guerres internes visant à prendre le contrôle des terres arables, mais ce fut aussi ce qui poussa les guerriers à partir pour des invasions par la mer. Ils seraient ensuite connus sous le nom de Vikings. Les Vikings terrorisaient les régions côtières de l'Europe continentale. Ces raids visaient à trouver de la nourriture et à piller les richesses. Mais ils découvrirent aussi que les terres européennes étaient plus adaptées pour cultiver des plantes et élever du bétail. Certains Vikings décidèrent alors de ne pas rentrer en Scandinavie et de s'installer de façon permanente sur les terres qu'ils avaient conquises. Les Vikings qui restèrent en France étaient alors connus sous le nom de Normands, signifiant « hommes du Nord ». Le duché de Normandie fut créé en 911 par le chef viking Rollo, qui deviendrait Rollo de Normandie. Après avoir participé à de nombreux raids vikings sur la Seine, dont le siège de Paris en 886, Rollo fut battu par le roi Charles III de France. Après un traité de paix, Rollo accepta d'être l'héritier du trône du roi Charles III. Il fut converti au christianisme et baptisé sous le nom de Robert. Charles donna à Rollo des territoires situés à proximité de Rouen, dans le nord-ouest de la France. Rollo et ses héritiers directs furent connus comme les comtes de Normandie. Certaines sources médiévales plus tardives se réfèrent également à eux par le titre de dux, mot latin signifiant « duc ». Mais c'est uniquement à partir de Richard II, descendant de Rollo, que l'appellation de duc de Normandie vit véritablement le jour. Les Normands épousèrent des femmes du pays et adoptèrent la langue française. Ils se battirent parfois pour le roi français, mais il s'agissait d'un peuple indépendant qui obéissait uniquement aux ordres de leur propre chef. Les Normands furent des cultivateurs aguerris, mais ils ressentirent tout de même le besoin d'envahir de nouveaux territoires. Cela s'explique notamment par leur croyance en la primogéniture, c'est-à-dire que lorsqu'un Normand mourait, tous ses biens étaient offerts à son premier fils. Cela signifiait souvent que les fils les plus jeunes partaient pour acquérir leurs propres terres. Dans la première moitié du Xe siècle, la combinaison de la culture française et nordique en Normandie produisit une identité normande distincte, aussi bien ethniquement que culturellement, qui continua à évoluer pendant des siècles. La dynastie normande avait un pouvoir politique, culturel et militaire important au Moyen-Âge, en Europe et au Proche-Orient. Les Normands étaient connus pour leur esprit martial et leur piété catholique. Puisqu'ils étaient chrétiens, les Normands craignaient qu'en mourant, Dieu les punirait pour les vols de terre et les autres crimes qu'ils avaient commis. Pour se protéger, les Normands utilisaient une partie des richesses récoltées lors de leurs raids pour construire des églises et des monastères. Les Normands étaient talentueux guerriers et leur territoire se développa rapidement. Après avoir conquis des terres en France, ils se concentrèrent sur des territoires plus éloignés. Le Normand le plus célèbre fut William le Conquérant, également connu sous le nom de William le Bâtard, car il était le fils illégitime de Robert Ier, duc de Normandie. William avait hérité du duché après la mort de son père en 1035, mais ne retrouva les pleins pouvoirs sur les terres héritées qu'en 1060. Mais le trône de Normandie ne fut jamais suffisant pour William. William pensait que le trône d'Angleterre lui revenait de droit parce qu'il était le petit cousin d'Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre. Mais malheureusement pour William, Édouard nomma le puissant comte Harold Godwinson comme héritier sur son lit de mort. Cette décision rendit William fou de rage. Pour se venger, il construisit une grande flotte de bateaux et envahit l'Angleterre en septembre 1066. William et ses hommes firent face à Harold lors de la célèbre bataille d'Hastings du 14 octobre 1066, qui fut remportée par William. Après quelques efforts militaires supplémentaires, William fut couronné roi d'Angleterre au moment de Noël à Londres. Le couronnement de William fut un événement incontournable pour l'Angleterre, car il mettait un terme à 600 ans de règne anglo-saxon. C'était le premier roi normand. L'histoire de la conquête normande de l'Angleterre et de la bataille d'Hastings fut écrite sur une incroyable tapisserie au XIe siècle. Elle est aujourd'hui connue sous le nom de tapisserie de Bayeux et mesure environ 70 mètres de long sur un demi-mètre de haut. La tapisserie a une valeur documentaire inestimable vis-à-vis de l'Angleterre et de la Normandie du XIe siècle. On y voit les châteaux, les navires, les vêtements et les conditions de vie de l'époque. C'est un exemple rare d'art roman profane. En l'an 1099, les Normands avaient conquis la majeure partie de l'Italie du Sud.
même si on se souvient particulièrement des Normands pour leur conquête militaire et leur implication dans les croisades, ils témoignèrent aussi d'un talent remarquable dans la façon dont ils gouvernèrent, surtout en Italie. Les Normands bâtirent des écoles, des monastères, des cathédrales et des écoles non seulement en Italie, mais aussi en Angleterre et en Irlande. Après avoir conquis l'Angleterre, ils y bâtirent de nombreux châteaux pour défendre leurs terres nouvellement acquises. Les conquêtes normandes n'étaient pas limitées à l'Europe. Il y eut de nombreux ducs normands en Sicile, en Afrique du Nord, sur la péninsule ibérique, au Liban et en Israël. Avec un territoire aussi vaste, la culture normande influença des peuples divers, aussi bien qu'elle fut influencée. Ils contribuèrent à de nombreuses avancées technologiques et sociales de l'ère médiévale. En 1204, le roi Philippe II de France s'empara du duché de Normandie, où régnait alors le roi Jean d'Angleterre, et il en fit la propriété de la couronne française. En 1259, le roi Henri III d'Angleterre reconnut le caractère légal du règne français en Normandie par le biais du traité de Paris. Ce fut la fin de l'histoire du duché de Normandie en tant que territoire indépendant.